Restons discrets. Là-bas, il y a une petite colline. On va peut-être mieux voir hein, de là-bas. Non, effectivement, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose qui bougeait là. Mais attends, il y avait un truc qui bouge là. C'est quoi? Alors, je vous rappelle, on fait un concours de chasse avec le seigneur Capon. Qu'est-ce qui bouge là comme ça? Et le but est de ramener le plus de viande à la fin de la journée. C'est quoi ça? Ce serait pas un lièvre? Oh, une biche, carrément! Oh, on se concentre, ça va être difficile hein, de l'atteindre. Bon, même comme ça, elle m'a pas vu. Parfait. Armes, on va prendre les flèches de chasse améliorées. Là, on en aura bien besoin. On va essayer de se rapprocher un peu. J'ai peur de trop me rapprocher et tout gâcher. Le gibier constitue la meilleure des viandes, mais si le chasseur désire obtenir un trophée ou des abats, il doit commencer par apprendre l'atout correspondant. Ok. Là, il est tellement proche en plus. Ah, je me suis trompé. Attention. Mais je touche ou pas là? Pourquoi il bouge pas? Il est bugué? Je suis vraiment nul. Oh, je l'ai eu! J'ai touché combien de fois? Une fois en pleine tête. Oh, magnifique. Donc, pillé. J'ai ma flèche. Ah non, trois? Je pense qu'il était bugué. Mais attendez, je sais pas si je peux le prendre, le gibier. Non, je peux pas. Mais pour le coup, bah parfait, hein. Là, par contre, côté négatif, j'avais bel et bien vu quelque chose qui bougeait. Trop bien. Est-ce que j'aurais... Oh, trop bien. Je gagne un niveau en vitalité en plus. Viande de lièvre. Et il va être impressionné, là, le seigneur Capon. Hein. J'ai eu de la chance. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'en plus de ça, le cerf, là, était bugué. Parce que je lui ai mis trois flèches. Mais malgré le fait que je touchais, bah voilà. C'est au moins ça, faut se dire que... La première fois avec le tir à l'arc, c'était une mauvaise expérience. J'ai eu un mauvais bug. Et là, j'ai eu un bon bug, du coup, qui m'a aidé. Et je pense que pour du lièvre, j'ai pas besoin d'avoir ces flèches aussi bonnes. Si je prends juste les flèches de chasse, ça devrait le faire. Et la viande de cerf, j'en ai 51, lièvre 17. Là, il y a moyen que je me fasse bien des bons trucs à manger. Hein. Ah, ce serait pas des nids de lièvre, ça? Est-ce qu'il y aurait pas des lièvres par là? Oh, un lièvre. Bessonneau, on va essayer de se rapprocher le plus possible. On est très lourd. Non, je vais le perdre de vue, là. C'est pas bon, là. C'est pas bon du tout. J'ai pas envie de le perdre de vue, celui-là. Où est-il? Si, il vient dans ma direction, là, il me verra tout de suite. Et ça, c'est problématique. Normalement, il devrait ressortir de ce côté. Là, ah, il est là. Allez, hop. Désolé, petit gars. Oh, oh, c'était vraiment pas loin. Là, ça commence à être plus difficile, déjà. Ah non, je tire n'importe comment. Est-ce que je peux récupérer mes flèches que j'ai tirées? Ouais, ça serait parfait. Hein. Si je peux les récupérer. Une, et il y avait une deuxième qui était juste par là. Je ne sais plus exactement où. Mais j'ai pas envie de perdre le lièvre. Je suis tellement proche de lui là en plus. Ah, il m'a vu. Oh, il revient vers moi. Là, c'est l'occasion parfaite. Et c'est pas possible, je suis nul. Non, reviens. Oh, il y en a deux en plus. Ok, un est fait. Parfait. Il faudrait que je récupère mes flèches. Hein. Oh, il y en a plein là, il y en a vraiment plein. Vraiment, j'ai loupé ça. Là, c'est touché. Parfait. Je fais le dernier et après, on sera bon. On va rentrer. Hein. Ça n'a rien non plus de passer toute la journée ici. Il est où? Là-bas. On a trouvé un bon spot là. Alors là, franchement. Entre le cerf, les lapins et tout. J'espère qu'on l'a battu, hein. Le seigneur Capon. Loupé. C'est vraiment pas facile, hein. Et touché. Et je gagne encore un niveau de chasse. Là, vous vous dites peut-être que je tremble trop, c'est pour ça. Mais en fait, là, je ne bouge pas la souris. Et vous voyez que l'arc
déjà de base, il arrête pas de le faire bouger. Et plus je perds au niveau endurance, plus ça bouge. Donc c'est assez difficile de gérer tout ça. Et je viens de voir quelque chose. Rivaliser avec le seigneur Hans à la chasse au lièvre. Du coup, peut-être c'est juste le lièvre hein, que je dois chasser. Et que la biche que j'ai chassée avant, ça ne l'a pas comptabilisé. Ça m'embêterait bien ça. Du coup, sachant que j'ai pas à chasser tant de lièvres que ça, je vais retourner. On va voir si je peux trouver et chasser le lièvre. Oh, il y en a un là d'ailleurs. Parfait. Juste là. Allez. Ok, ça c'est fait. Ça s'est fait aussi. Eh, je commence à bien gérer hein, le tir à l'arc. Et voilà dans la tête. Ouh, j'ai gagné des points en plus en chasse et tout. Personnage. Donc on a bloqué aussi des points de vitalité. 2 de force, on va avoir tout ça. Hein. Vitalité, donc coureur de fond, qu'est-ce que c'est? Vous courez 20% plus lentement, mais aussi plus longtemps, car vous consommez 20% de moins d'endurance. Ok, donc ça m'intéresse pas, parce qu'il y a un malus. Vous courez 20% plus vite, mais ça c'est l'inverse du coup, mais consomme 20% d'endurance en plus. Et sans poisseux, vous saignez plus lentement. Donc ça, ça peut être intéressant. 5 jours sans être affamé et repu, je gagne des points. En vitalité et agilité, ça c'est bien. Vous saignez plus lentement. En vrai, ça c'est bien aussi. Je sais pas trop si j'attends ou pas. Je pense que je vais attendre avant d'utiliser la compétence. Hein. Ça c'est très très bien. Je vais prendre mule. Vous pouvez porter 15 livres de plus. Ça, le maître d'étreinte, il est bien aussi. Hein. Augmenter de 40% vos chances de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte. Et mule, c'est les 15 qui livrent de plus. Ça, je pense que je vais faire maintenant en plus. Parce que ça, il y a besoin là pour porter justement tout ce qu'il faut. On va voir les compétences, parce qu'on a une compétence de chasse à prendre. Vous avez reçu l'autorisation de chasser dans les bois. Toute viande que vous obtiendrez de ces gibiers ne sera pas considérée comme du braconnage. Ah ah, bien. Permet de récupérer les défenses des animaux. Et permet de récupérer les bois des animaux chassés. Trop trop bien. Bah écoutez, on va prendre... laquelle on prend? On va prendre la défense, je pense, pour le sanglier. Et les autres compétences, j'ai pas encore de points à prendre. Ok, oh! Encore un lièvre. Oh, j'ai vraiment loupé là. J'ai vraiment beaucoup loupé. J'aime pas quand il s'éloigne de moi, c'est plus difficile. Ok, c'est touché. Récupérant ça. Enfin, j'ai une tenue plus légère. Hein. Les 15 livres que j'ai eu en plus, ça s'est ajouté finalement ou pas? Si je vais dans le personnage statistique. Force, je vois pas trop la différence hein, en vrai, pour l'instant. Avec tout ce que j'ai fait. Oh, il m'a fait des esquives. Il y a plein de lièvres en plus. Là, je crois qu'il mérite de vivre lui. Hein. Ah, est-ce que je l'ai touché? Ouais, je l'ai touché. Bah finalement non, il méritait pas de vivre. En plus j'ai fait un joli tir là qui est arrivé en plein dans son derrière. Allez, je me disais si j'en loupe un, je touche l'autre. Voilà. Allez, on le prend celui-là. Et je crois que c'est terminé. J'ai entendu tirer, il y a le seigneur Capon qui est vraiment pas loin. Mais la séance de chasse est terminée. On va retourner au campement. Et au passage, quand je rentrais, je prenais à chaque fois les champignons que je trouvais en chemin. Là, il y a toute une lignée. Et j'ai gagné un point en herboriste. Du coup, c'est parfait. Augmenter toutes mes compétences, hein, c'est assez important. Ah, il est là le camp, parfait. Alors, monsieur Anouche. Anouche, je confonds tout le temps. Monsieur Capon. C'est pas la même chose, hein, ils ont pas le même prestige. Qu'est-ce que t'as chassé? Alors, je suis assez confiant. Hein. Chasse, monseigneur. Je m'en suis bien sorti. Regardez, fais voir. Et pas ouais, mal. Hein. Pas mal du tout, même pour un simple fils de forgeron. Bah, c'est excellent. Le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense? Quelle insolence. Un cerf qui réclame de l'argent. Un cerf, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte d'esclave, mais c'est une sorte d'esclave, mais avec quelques droits en plus. Votre cerf vous remercie humblement, monseigneur. Maintenant, suis-moi. Sans gros chêne, incroyable. Je commence à bien l'aimer lui. Et il va aller où? Mais je suis trop lourd là, seigneur Capon.
Je ne peux pas vous suivre. Oh, je peux peut-être mettre dans la selle du cheval, en fait. J'ai poussé le seigneur Capon, il s'est un peu énervé. Non, je peux pas, purée. Je vais pas pouvoir le suivre, là. Je suis beaucoup trop lourd, mais prends un peu mon inventaire, au moins. Parce que là, si je vois mon inventaire, en fait, j'ai pas mal de trucs, hein, comme nourriture. Alors ça, on peut jeter, hein. Non, on va déposer. Ah, mais j'ai dans la caisse. Je peux le mettre dans la caisse, peut-être. Attendez, on va faire ça, hein. Tac, nourriture. De mon inventaire, nourriture. Les champignons séchés. Non, ça, je garde. Fruits secs, je garde. Les lépiottes, ça, on va pouvoir la placer. Oups, j'ai tout placé. Bah, c'est pas très grave. Ça, je reprends. Ça, je reprends. Ça, je reprends. Ça aussi. Et la viande séchée aussi. Tout le reste, je prendrai plus tard. Hein. On est où exactement, que je sache? On est dans le petit campement ici au sud. Ok. Donc, c'est Thalberg, en bas à droite, juste au nord de la rivière. Il y a ici le campement. Ok, je vais essayer de retenir ça. Personnage, elle est comment ma faim? Je commence à avoir faim. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir manger. Qu'est-ce qu'on a là? Des fruits secs. Et comment je suis niveau personnage maintenant? 63, donc c'est pas énorme. On va pouvoir manger pas mal de viande séchée, pardon. Ah, il y a là, j'avais pas vu alimentation. Et là, on est à 99. Donc c'est parfait. Seigneur Capon! Il est passé par où? J'ai pas vu. Attendez-moi, Seigneur Capon! Il m'attend pas, hein. Il est passé où? Mince, j'ai perdu le seigneur. Seigneur Capon? Et il est passé où? Je l'ai perdu. S'il lui arrive quoi que ce soit, il doit être par là. Il n'en a rien à faire de moi, hein. Je suis pas. Lui, ça ne change rien. Allez, là j'ai mon endurance au max, je peux essayer de le rattraper à nouveau. Attendez-moi, Seigneur Capon, j'arrive! Avec les deux chiens, là. Ok, c'est bon. Là, on est bon. Il va vite, hein. Il va très, très vite, quand même. Il n'a vraiment rien à faire de moi. Ah, il y a les chiens qui sont là. Ils sont tout calmes. Ah, il est tout prêt. Oh, il est beau, le pauvre. Vous voulez l'abattre avec une flèche? Absolument. Pourquoi pas? C'est résistant, un sanglier, hein. Le sanglier se chasse à la lance. Tiens donc. Donc maintenant, tu es un grand maître chasseur? Ah, il a raison, Henri, hein. Regarde et apprends. Il a trop raison, Henri. T'as vu ça? Je suis vraiment doué. Ah bah finalement, peut-être pas, hein. Silence. Ah, alors, il a assuré en la vrai. La prochaine fois que tu me diras que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche, tu crois. Merde. Allez, va chercher. Mais moi je peux pas, j'ai pas de cheveux. Oh là là. Quoi en selle, Henri? Non mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est pas possible. Il va se faire mal, il va tomber à cheval et puis. Puis j'ai même pas vu par où il s'est barré. Seigneur Capon? Je passe mon temps à le chercher, ce Seigneur Capon. Il est insupportable! Il est insupportable. Il est passé par où? Seigneur Capon, attendez! Oh là 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 là, quel enfer, quel enfer. J'ai l'impression d'être babysitter. Je dois faire la nounou du seigneur, là. Où es-tu, Capon? Hans? Hans Capon, t'es où? Capon, Capon. Seigneur Capon, où es-tu? Allez, on va aller un peu plus au nord. Accident? C'est quoi ce que j'ai découvert, accident? C'est pas un accident, ça, c'est un assassinat. Ils l'ont enterré et buté. C'est pas du tout un accident, ça, c'est clairement un meurtre, hein. Ils l'ont enterré, ils l'ont laissé mourir là, en ayant fracassé le visage. Capon? Ça commence à m'inquiéter, ça. Seigneur Hans Capon, vous êtes où? Là, il y a du bruit. Il l'a eu. C'est un campement. Est-ce qu'il est là, le seigneur? Ouais, j'ai bien l'impression. Il est accroché. J'ai baisé ta mère hier, le païen. Il m'a
Carrément. Deux n'arrivaient plus à bander. Est-ce que je vais discuter? Ils sont deux, hein. Est-ce que je vais discuter ou j'attaque direct? Voilà, oula, 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 oula. C'était Kumon en plus. Ah, il se laisse pas faire, hein, le seigneur. Il est trop drôle. Peut-être reste plus sage de directement prendre l'épée. Hein. Bande de catins hongroises. Je vais être trois pour maîtriser la tête. Ah, itt épp egy malacka tévedt a disznóölésre. Attendez, attendez, attendez. En plus, elle allait m'attaquer, hein. J'ai peur de recevoir le coup. Il faut absolument que je voie combat, j'aurais dû voir ça avant. Combat, défense, épée. Qu'est-ce que j'ai déjà? C'est gauche, en bas, droite, milieu. Ok, on va essayer. Hein. Donc ça fait gauche, en bas, droite, milieu. J'ai loupé. On va essayer. Gauche, en bas à droite, milieu. Aïe. Heureusement que j'ai déjà... que j'ai rapidement tué le premier. Hein. C'est dommage, j'avais plus d'endurance. Hein. C'est tendu, hein. Ouais, là, il a réussi à m'avoir, hein. Belle esquive. Bien joué. Gauche. Gauche. Ah, mince. Vite, récupère de l'endurance. Allez, je l'ai eu. De grâce. Alors ça, c'est pour tout ce qui s'est passé avec mes parents. Et lui, il est mort aussi. Hein. Arc Kumon. Oh, tiens, 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 il y a peut-être Caltin de Noble. Ça donne combien, ça? Charisme 8. On va tout prendre. Hein. Même si je suis lourd, c'est pas grave. Hein. Oreille de Kumon. Il y a un truc, c'était oreille de Kumon. Un méga sabre, un bouclier. Là, lui, il avait plus rien. Alors, lui, eux, j'hésite pas vraiment pas à les piller. Hein. Alors, Seigneur Capan. Ah, attends, t'es bien là, t'es bien. T'as voulu partir comme ça en vitesse? Laisse-moi profiter maintenant un petit peu de tout ce qu'il y a là. Oh, est-ce que je peux crocheter? J'ai pas de crochet, non. Dommage. Je peux pas en trouver par là? Y'a personne qui a des crochets? Est-ce que j'ai faim peut-être? Alimentation, non, j'ai pas faim du tout. C'était sûr que ça allait mal se finir cette histoire de chasse. Hein. Allez, Henri, vieille branche! Tu vas pas me laisser ici quand même! C'est bon, j'ai déjà détaché, du calme! Du calme, du calme. Alors, Seigneur Capon. Je vais faire sculpter un buste en bronze en ton honneur. Oh mais oui, je suis prêt, fais-le. Oh, vous savez, j'ai cueilli des fraises, j'ai bu un verre de vin, fait une petite sieste. En vrai, il les insultait et tout, il a comme du cran, ce gamin. Ils ont failli me faire rôtir à la broche. Mais surtout, quand tu vois l'état de l'autre derrière. J'étais sur le point de prendre votre virginité. Oh. Dis donc, fais attention quand même. Hein. Est-ce une façon de s'adresser à un noble? Vous n'avez pas l'air si noble. Non, non, exagérons pas. Je m'excuse, monseigneur. Je suis ravi que vous alliez. Voilà, tout doux. Je te fais marcher, triple buse. Merci de m'avoir secouru. Cette plaie n'est pas belle à voir, seigneur Capon. Elle est blessée, hein. Ces ports de Kumon m'ont quelque peu malmené. Et mon maudit cheval s'est emballé. Il va falloir que tu me ramènes chez moi. Le plus tôt sera le mieux.
Qui sait combien de bandits il peut encore y avoir. Ah là, il n'y en avait que deux, hein, mais c'est vrai que peut-être les autres sont à la chasse et tout, donc... Une dose d'émotion pour aujourd'hui. Faudra faire tranquille, hein. Ah, du coup, j'ai perdu toute la viande que j'avais chassée avant, je pense. Faudrait voir si je pourrais pas aller la récupérer. C'est le seigneur Capon. Vite, les gardes. Venez, venez tous ici. Aidez-nous. Toi, aide-le. Ah, ça fait une sacrée trotte en plus, hein, sans le cheval et tout. Tu vois, si moi j'avais un cheval, bah peut-être qu'on aurait pu prendre le mien. Hein. Peut-être qu'on aurait été les deux capturés. Maintenant, il a reçu le karma, il doit rentrer à pied. Quoi qu'il en soit, là, on a marqué des points auprès de Hans Capon et auprès du coup du seigneur Ranouche, je pense, et Ratzig aussi, hein, avec ce qu'on vient de faire. C'est héroïque. Ah ouais, il va si mal que ça.